Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des galettes au sarrasin ou galettes au blé noir. Donc pour commencer, je vous invite à prendre de la farine de sarrasin, du beurre, des œufs, de la fleur de sel ou du gros sel et de l'eau. Dans un saladier, versez 330 g de farine de sarrasin. Vous y ajoutez ensuite environ 10 g de gros sel ou donc de fleur de sel. Ensuite, vous commencez à verser un petit peu d'eau. Donc au total, il faudra prévoir 75 centilitres d'eau. Voilà, on verse et puis on va mélanger. Pour mélanger une première fois, on rajoute un œuf et on remélange. Enfin, on rajoute l'eau restante et on mélange à nouveau une dernière fois afin d'obtenir une pâte bien homogène. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la pâte est bien homogène. J'ai bien fouetté. Maintenant, il va falloir laisser reposer environ 2 heures ou un petit peu plus. Il va falloir donc patienter. Ensuite, vous pourrez utiliser une poêle dans l'idéal, évidemment. Sinon, vous avez également des crêpières. Vous n'hésitez pas à utiliser du beurre, histoire de donner le bon goût aux crêpes, ça sera meilleur. Et puis à agrémenter évidemment en fonction de vos goûts. Bon appétit! Ah, et au fait, pour les plus gourmands, n'hésitez pas à doubler les doses. Allez, à bientôt sur le blog précieuxmoments.fr/blog.